Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de vous montrer la technique du RAW, Right Angle Weave, qui plus communément veut dire faire des angles droits. Donc dans ce style-là, voilà. Donc là, c'est avec trois perles, celui-ci deux, et là on va commencer, donc je vais vous montrer avec une perle. Et très important, avec une aiguille, parce que cette technique peut être faite aussi avec deux aiguilles, qui moi je trouve est beaucoup plus simple, mais ça c'est tout à chacun. Donc, alors, on va prendre quatre petites perles. Voilà, 1, 2, 3, 4. On va venir jusqu'en bas. Comme ceci, si j'y arrive, on va y arriver. Et on vient en bas, bien sûr, hein, parce que là c'est la fin de votre fil, et on repasse dans les quatre. Je suis hors champ, super. Voilà, vous voyez, vous avez votre fil qui est là, les quatre. Alors on va passer. Repasser en deux. Et même dans trois. Voilà. Histoire d'avoir le fil de fin et de début en face à face. Et là, c'est votre première boucle. Alors on va continuer. Donc le but est de refaire une autre boucle, mais cette fois-ci avec trois perles, puisque on va se servir de celle-ci qui est déjà posée. Donc une, deux et trois. Donc là, notre fil vient ici, donc on part à l'inverse pour faire une boucle. Et nous voici avec notre deuxième boucle. Et on revient ici, on passe dans celle-ci qui est à droite, et on vient dans celle d'en haut. Alors là, vous avez la possibilité de faire un tour complet, histoire de solidifier votre travail, ce qui est pas plus mal. Bon, moi là, pour le coup, je le fais pas pour aller plus vite dans la description. Mais vous avez tout à fait le droit de tourner. On continue. 1, 2 et 3. Donc là, tout à l'heure, on était en bas. Cette fois-ci, on est en haut. Voilà. Donc on vient ici. On tourne. Et revient ici. Voilà. Et bien entendu, ainsi de suite jusqu'à obtenir la largeur ou la longueur que vous désirez. Tout dépend dans quel sens vous le faites, votre bracelet, si vous le faites sur la largeur ou si vous le faites directement dans la longueur. Donc on continue. Et voilà. Alors pour ceci, bien évidemment, c'est le même principe. À la seule différence, c'est qu'au lieu que vous les preniez une par une, vous en avez 3, 3, 3 et 3. Ce qui fait qu'en fait,
Au départ, vous en mettez 12 et après 9. Et à chaque fois, vous pensez bien à venir dans les 3 qui sont ici, là. Voilà. Et qui vous donne un joli petit carré, mes 2-3 perles. Et pareil pour les 2. Donc nous, on va continuer sur le 1. Alors voilà, on va s'arrêter là. Pour notre exemple, c'est pas mal. Alors, maintenant, le but, il va être d'ajouter une ligne ici. Donc là, votre fil, il vient là. Donc soit vous souhaitez venir ici, ce qui serait plus simple. S'il faut faire le tour pour aller là-bas, ça c'est à vous de choisir. La logique veut qu'on aille au plus simple, hein. On va pas se casser la tête. Voilà, donc on va venir ici. Voilà. Et on va faire pareil. Donc, 3 perles, 1, 2 et 3. Et on vient faire notre boucle autour de celle-là, de perles. Et donc là, on a... Ah. Ici, 4, et là, 4. Et donc maintenant, on va venir, comme tout à l'heure, hein, on va positionner notre aiguille. Si tu veux bien faire la mise au point, ça serait bien. Ici. Parce que là, vous voyez, là, il y en a une et là, il y en a une. Celle-là, et on va passer ici. Et là, au lieu d'en mettre 3, on en a déjà une à gauche, une en bas. Il nous manque celle de droite et celle d'en haut. Voilà. Et donc ici, on va prendre 2 perles. Et on va venir ici. Voilà. Et hop, elles vont se mettre toutes seules. On va repasser dans celle-ci. Voilà, puisque elles font partie d'un tout. Voilà. Et on revient à celle du haut. Et voilà.
Alors, tout à l'heure, on sortait ici. Donc, logiquement, on a fait la boucle dans ce sens. Cette fois-ci, notre fil part vers la gauche. Sauf que vers la gauche, on a déjà une perle. Donc, on va passer dedans. Voilà. Donc là, on va prendre 2. 1. 2. On va le passer ici en dessous. Voilà. Et on va le passer de là où on vient, ici. De manière à avoir toujours cet objectif de faire cette boucle qui est là. Alors on va venir dans celle du haut. Ici. Et voilà. Et là, du coup, comme tout à l'heure, on sort à droite. Donc, si on sort à droite, on a juste à rajouter 2. Et on va sur le côté gauche, ici. On revient là au départ. Alors surtout, ne perdez pas de vue qu'il faut toujours aller dans le sens du fil. Toujours. Et là, on revient en haut. Donc là, on est sorti à gauche. Donc quand on sort à gauche, on passe dans la perle qui est déjà ici. Voilà. Et on rajoute 2. On repasse dans celle du haut et dans celle qui est à gauche et on rajoute nos 2 et voilà. Et là, on a fait le deuxième rang. Donc là, ici, on revient là et on va dans la perle qui est totalement à droite. Voilà. De manière à rajouter nos 3 perles afin de recommencer. Un nouveau rang. Et voilà. Et donc là, ici, on va venir dans celle-là. Ajouter nos 2 perles, venir ici et revenir dans celle d'où on vient. De manière à avoir toujours nos 4 perles pour faire le tour. Et là, on repasse ici en haut. Sur la droite. Et on est bon. Et ainsi de suite. Alors bon, moi cette technique c'est pas mal, j'aime bien. Sauf que des fois je suis un peu tête en l'air et donc du coup le fait de passer un coup en bas, un coup en haut,
Je trouve que c'est sujet à erreur. Et donc, pour le coup, on n'a pas intérêt à être distrait pendant qu'on fait ça. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une façon de faire qui soit plus simple, qui soit répétitive, de manière à pouvoir faire déjà un dessin avec, et pas forcément tout en blanc ou tout en faire des lignes, par exemple des rangs blanches, enfin un rang blanc, un rang noir, etc. Ou enfin faire quelque chose de plus joli. Donc du coup, je me suis inspirée en fait de certains bracelets qui sont faits avec deux aiguilles. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se prendre deux aiguilles. Prendre un peu de fil. Voilà. Alors, il est vrai que quand on parle de deux aiguilles, on a toujours tendance à se dire, oh là là, ça va être compliqué, il y a deux aiguilles. Et finalement, on se rend compte que ben pas tant que ça. Ça nous rend pas mal de service parce que ça ne nous oblige pas avec une aiguille à faire tout le tour pour aller là où on veut aller. Et que, quelque part, c'est quand même super, super plus simple. Alors, pour le coup, il nous en faut 4. Donc, on va en prendre une qui est ici. Et on va la faire descendre jusqu'au milieu en bas. Voilà, ce sera celle qui sera en bas. On va en prendre une de chaque côté, une comme ça et une comme ça. Voilà. Et notre quatrième qu'on va prendre ici et qu'on va croiser nos aiguilles. Alors moi je croise toujours dans la perle et quand elle est positionnée sur l'aiguille pour éviter tout souci de dédoublement de fil. Effectivement, il y en a qui prennent. Je vais la reposer parce que j'arrive pas à la prendre. Voilà. Il y en a qui prennent leur perle, qui la font descendre sur le fil, qui coincent comme ça et qui passent à l'intérieur. Alors c'est sympa parce qu'effectivement, on a vachement plus de place et tout, mais dans l'absolu, je trouve ça assez difficile. Enfin, difficile. C'est simple, mais on a énormément de chance, surtout là comme là par exemple, c'est du fil coton, et ben de passer à l'intérieur du fil, vous voyez, ici là, et ça peut donner des obstructions où votre fil va coincer et vous ne saurez pas pourquoi, vous passerez dedans et ainsi de suite, et du coup ça va pas faire joli. Et ça se voit pas forcément. Voilà. Moi je préfère croiser sur l'aiguille. Donc là maintenant on va rajouter une, deux, donc une de chaque côté. Et une pour croiser. Là, alors bien sûr vous pouvez croiser dans ce sens-là ou dans ce sens-là, voilà, peu importe, hein, c'est pas gênant. On tire, de chaque côté on tire, et hop, notre deuxième boucle. Et ainsi de suite, 3, on va prendre 3, hein, une de chaque côté. Et avec la troisième, on croise pour croiser le fil. Moi, j'aime beaucoup cette technique parce que je trouve que c'est vachement plus simple. Et voilà. Et en plus, vous avez l'avantage que, enfin, moi, je trouve que ça se met tout seul en place. Non.
Voilà. Alors, on va en faire encore une. Alors en revanche, quand vous faites un dessin à motif, surtout, mais alors surtout, n'oubliez pas que quand vous tirez sur votre fil, tirez bien de chaque côté. Ne prenez pas vos deux aiguilles et tirez ainsi comme ça pour pouvoir avoir votre motif. Alors je vous dis ça parce que on va avoir l'habitude de faire ça et puis finalement, quand on va avoir comment on appelle ça, des perles de couleurs pour un motif, et ben un coup il est à droite, un coup il est à gauche, un coup il est à droite, et en fait on se rend compte que quand on a fini notre ligne, et ben on s'est trompé. Alors on a bien mis toutes les perles dont on avait besoin, mais on les a pas mis dans le bon sens. Alors du coup, je trouve que pour des bracelets où le motif est toujours le même, ça c'est pas gênant, ça vous permet aussi d'avoir toujours les aiguilles au même endroit. Que le fil ait la même longueur, c'est pas mal, mais quand on fait un motif, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis en train de remettre mon fil, mon aiguille, pas gagné. Bien évidemment, j'y vois rien. Ah voilà, ça y est. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer nouveau rang. Alors tout à l'heure on a vu, hein, on vient là, hop, on met notre aiguille ici, ici. Et c'est fini, on n'en parle plus. Sauf que là, ben là on a deux aiguilles. Alors, mon aiguille de droite, je l'ai fait passer ici. Et mon aiguille de gauche, je veux absolument le croisement dans cette perle-là, de manière à partir de ce côté-là. Donc, je suis bien obligée de vous montrer. Je suis bien obligée, en fait, de faire passer mon fil ici. Voilà, donc ça c'est de une. N'hésitez pas à tirer sur les deux fils, bon pas très fort, mais de manière à pouvoir garder de la stabilité. Voilà, donc là ici on va partir dans celle du bas qui est ici. Et on va monter dans celle de droite. Et là, on a le croisement ici de nos deux fils. Voilà. Et là, on recommence. Hop, on en prend 3, 1, 2 et 3. Pareil que tout à l'heure, hein, 3, on croise, on tire de chaque côté, j'évite de prendre le fil de l'autre, voilà, et nous voilà ici. Nous avons débuté le début du rang. Alors, pareil que tout à l'heure, il va falloir qu'on descende. Donc là, on les voit bien, là, les deux. Et ici, on a bien celle du 1 et 2. Et donc, c'est ici qu'il va falloir ajouter les deux. Alors, pour ce faire,
On va prendre l'aiguille qui est la plus loin, parce que celle-là, il faut qu'on la ramène sur notre travail. Alors, voilà. Donc on va travailler ici et ici, sur ces deux-là, puisque c'est elles qui vont nous permettre d'avancer et de rajouter deux perles, deux perles, deux perles, et ainsi de suite. Donc, mon fil qui est là, on va venir à gauche, ici, voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on tourne toujours dans le sens du fil, donc là, on est obligé de venir ici. Celui-là, on va le mettre. On va le mettre, je vais y arriver, ici. Voilà. Donc là, on croise. Nos deux fils, et par contre on a besoin de celle-là dans notre motif où on va rajouter les deux perles qui nous manquent. Donc on va venir et on va disposer la deuxième aiguille ici. Et voilà. Alors, voilà, ça donne ça. Donc là, l'aiguille de droite et ici l'aiguille de gauche. Alors là maintenant, on va rajouter nos deux perles. 1 et 2. Alors là, très important, pour avoir le moins de travail possible, il faut absolument qu'on croise à gauche et pas à droite. Parce que si on croise à droite, ça va le faire, mais votre aiguille, enfin du moins votre aiguille de droite, va être complètement à l'extrémité et vous allez être obligé à chaque fois de faire le tour. Et le but est que on veut nous faciliter le travail, donc du coup, on va forcément croiser vers la gauche, comme ça, on en aura toujours une qui sera bien positionnée, et une où il faudra juste venir récupérer celle du rang précédent. Enfin, récupérer la perle du rang précédent. Voilà. Donc, on croise. On en a deux. Hein. On croise celle de gauche. On tire. Et voilà. Et là, vous voyez, celui-là, il reste ici. Il est en place. Et celui-là, il va venir juste se mettre là dans celle-là, parce que celle-là, on veut la récupérer. Et on est prêt pour la deuxième. Alors, ne pas oublier, on commence à droite. Si possible, je mets mes aiguilles dans le bon sens. On laisse les rangs précédents à droite et on ajoute nos deux perles, donc le dessin à droite, et on croise sur la perle de gauche puisqu'en fait on part vers la gauche, et ainsi de suite, toujours dans le même sens. Alors moi, cette technique, je l'utilise, alors bien sûr pas pour des petites pas pour ce nombre de perles, donc c'est pour ça qu'en fait, quand je fais mes bracelets, je les fais sur la longueur,
de manière à avoir 6 ou 7 rangs ici. Donc je vais devoir à chaque fois tournicoter autour, venir ici, placer mes aiguilles 7 fois. Mais après, dans la longueur, j'aurai toujours le même motif à faire. C'est-à-dire placer mon aiguille ici. Voilà. Et on en reprend deux. On croise à gauche. Voilà. On vient ici. On prend notre aiguille de gauche. On met dans la prochaine perle. Et voilà. Et ainsi de suite. Une. Deux. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, je vais vous remontrer pour passer de l'autre côté. Donc, bien évidemment, celle qui est ici va venir juste dans celle-là. Parce qu'en fait, on va devoir faire notre boucle sur celui-ci. On vient là. Alors bien évidemment avec la deuxième. Alors c'est vrai que c'est le côté le plus pénible, on va dire, avec les deux aiguilles. Mais ça, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est beaucoup plus facile. Donc ici, on recommence. On prend nos trois perles. On croise. Alors, on va tourner notre tissage. On a dit que on partait de la droite pour aller vers la gauche. Donc que ça soit plus facile. Voilà. Donc là, on est bien d'accord. On va tourner ici. Donc ici, ici, ici. On suit le sens du fil. Ah. Voilà, on pique notre aiguille, on prend l'autre. Attention. On passe au-dessus ou en dessous, peu importe, mais on ne se mélange pas. Et donc là, on vient dans celle du bas. Et voilà. Et ici, on peut recommencer nos deux aiguilles, une à droite, une à gauche, et on croise à gauche. Voilà. Celle-là.
attaché à l'autre. Et voilà, et ainsi de suite. Et je trouve que comparativement avec celle-là, celle-là, elle est faite avec deux aiguilles. Et celle-là, elle est faite avec une aiguille. Et j'avoue sincèrement que pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Je trouve que là, nos petits ronds, enfin nos carrés sont bien définis. On sait où on en est. Alors que là, voilà, c'est un peu le fouillis. Il faut toujours sans arrêt penser à remettre bien, savoir où est-ce qu'on est, est-ce qu'il faut passer en bas, est-ce qu'il faut passer en haut. Alors, les deux techniques ont leur lot de pour et de contre. Après, c'est à vous de voir laquelle vous choisissez, avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et voilà, après c'est tout à chacun, hein. Si vous préférez travailler avec une aiguille, pourquoi pas. Mais moi, je sais que personnellement, il n'y a pas photo. Moi, je préfère les deux. Voilà. Donc, ceci est terminé. J'espère que ça vous aura permis de trouver votre façon de faire. Que j'ai été assez claire. Et que vous réussissiez enfin à faire votre... à faire cette technique-là qui est bien sympathique. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Pour un autre tuto sur une autre technique. Au revoir.